Bonjour, frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole, j'ai fait dans lundi, votre chef à la maison qui rentre là avec nous. Moi, dis-nous merci parce qu'il nous a suivi et fidélité nous, bouche à l'oreille a marché. Moi, très content, nous sommes rendus à 18 000 abonnés. Très bientôt, nous allons rendre à 50 000. Et puis, après, ça partit comme ça. Pas oublier, partager la page là pour moi avec chaque ami ou chaque proche. Jean-Dominique, c'était un grand journaliste en Haïti qui pas de langue dans la poche, qui te dit toute sale pensée, qui confronté toutes sortes de régimes, eh ben bon, jusqu'à ce qu'elle est mourue, ok? Qu'on a honoré non Jean-Dominique avec une recette. Pour me faire recette là, je vais commencer avec une sauce que je vais faire pour nous, une sauce haïtienne. Même prendre un bœuf haché là, moi j'ai 500 grammes de bœuf. Je vais écrire recette là en bas vidéo pour nous. Vous pouvez voir que je ne vais pas mettre ni l'huile, rien à chaud, seulement la viande là, je vais mettre là-dedans pour le cuire, ok? Comme vous pouvez constater qu'on est à regarder, il commence à colorer, ça veut dire là, c'est prêt pour me faire mettre les restes ingrédients. Une fois que la viande est cuite, qu'on a la moelle commencer à passer par saisonnement. On va mettre le sel là-dedans. On va mettre le poivre. On va mettre une belle cuillère d'épices haïtiennes là-dedans. Et puis, ça, c'est la grande pile, mon gars, m'a demandé, pour montrer nous faire là, ok? On va celle qu'on a là, il faut nous faire attention pour. Et puis ça pas brûler, ok? Même sauce ça m'a fait là, son sauce ici qui a fait, il y aurait les sauces italiennes aussi. Mais si toute forme d'affaire avec l'italienne, je vais mettre puis ça ici, je vais mettre seulement l'ail là-dedans. On va pas mettre les oignons, ok? Parce que c'est pour recette Jean-Dominique Lanavier. Sous ça, nous allons manger là, il n'est pas obligé de gagner oignon là-dedans. Là, tout de suite, viande bien cuite, il sent bon avec épices moins haïtien là-dedans. Tout qu'on a la même venir avec 4 tasses de tomates. C'est 4 tasses de tomates broyées qu'il a. Nous avons mis 4 tasses de tomates broyées. Le jus de tomate là, c'est le même en Haïti, nous les V8. Tomate broyée, c'est tomate ou prend ou on y passe à la girafe ou craser. Moi, je viens pour monter, nous faire beaucoup faire, mais ma faire pour nous très bientôt. Aussitôt qu'elle commence à monter là, qu'on a diminué 10 feu, c'est ça quoi le sauce là. Qu'on a là, on a mis l'autre parfum à mettre là-dedans, l'autre chose encore, mais nous allons suivre. Là, pour le moment, qui était là, il a continué, ok? Dès que je me mettais tout à fait, je mettais tomate là-dedans, qu'on a là, je mettais thym là-dedans. Je mettais thym entier parce que je vais retirer le bâton après. Mais après ça, je remarque qu'on a un parfum que je vais mettre. Ça, c'est un petit piment piqué. Je vais couper, je vais retirer le grain, je vais mettre en lanière, qui a une petite couleur jaune. Après ça, je vais mettre persil haché. Et puis après ça, basilic aussi. Ça, c'est le basilic là. Il fait le sentir bon. Ok? Et puis qu'on a mis tout là-dedans. On a pour sauce moins réduit. Normalement, pour ça cuite là, il faut quitter le réduit là, avec un petit fait doucement là, au moins 1 heure de temps. Ok? Qu'on a qui ça va arrêter pour mettre là dedans là, on va mettre un petit sucre. Sucre là, ça veut dire tout ce qu'on fait avec tomate, ou supposé mettre un petit sucre là dedans pour enlever acidité. On va mettre une cuillère de sucre. C'est tout. Pendant sauce moins à réduire, qu'on a même venir avec quelques morceaux de lame véritable là, qu'on a faire lame véritable là en frites. En frites, ça veut dire même j'avais un petit bâton pour nous friler, ok? On a coupé les. Vous choisissez faire frites ou longueur V, ok? Mais ils ont frites pour vraiment belles, c'est les lentilles longues, ok? On va pas couper au trop mince parce qu'ils veulent faire un belle frite là qui tient là. M'a coupé un petit cal comme ça pour me faire bien long. Et voilà, ces petits frites ça et quand ça m'a fait tout là, ok? Après ça venir avec, on m'a venir avec tout pour nous pour monter nous. Mais ils ont là bien long, bien frais. Qu'on a qui ça m'a fait là, moi pour venir blanchir. Blanchir la l'huile, ça veut dire cuire à moitié. Ok, moi le commencer. Avant que mal commence à blanchir, pour me dire, moi tiens pour monter nous sur ça, regarde. Mettez foie là à 4,5. Hein? Parce que pas de cuire trop vite pour ne pas sécher. Nous faisons aller tranquillement. On appelle ça frémir. Ok, on goûter, on va ajuster le goût, on va mettre le goût, j'en ai besoin là. Ok, et. L'huile moins chaude, bien chaude qu'on a là, on va le faire première cuisson
l'âme véritable là, frites là. Tiens, là, moi, je vais faire une recette de Jean Dominique avec une sauce haïtienne qu'on a là, ma fin fait ça blanchi. Une fois que moi senti les cuits à 50%, moi tout fait mes poids. Moi, je vais retirer les. Moi, retirer yo. Une fois que moi retire les, voilà. Qu'on a là, moi, je vais le mettre dans le congélateur. 45 ou 1 heure de temps. Ok? Si vous n'avez pas de congélateur, c'est pas grave, vous pouvez quitter là à côté. Et puis vous quittez l'on prend un petit l'air. Après ça, quand le refroidit, pour retourner avec pour qu'il fasse une belle cuisson sec. Ok? Ok, mais sauce là, qu'on a assez prêt là. Ok? Là, c'est fini. Qu'on a mal nettoyé. L'aime dit nettoyer ici. Avec dit, je vais retirer. Tiens. Sauce moins fine faite là, c'est parfait, c'est excellent. Qu'on a moins fermé pour moins, mais qu'on a là moins rété pour mal présenter nous, Jean-Dominique. Ok? Qu'on a mes lames là, mes frites de lame véritable là, bien sorti là, les bien bien froid. Avec dit qu'on a là moins pour le gagnon, cuisson parfait. Qu'on a là moins pour commencer pour me faire Jean-Dominique pour nous. Je vais mettre l'huile moins chaud et puis qu'on a ma fait première assiette là. Ok? On y a frit là après, moi tout fermé pour moi, moi retirer le. Moi pas retirer. Waouh, c'est vraiment bon hein. C'est des belles frites ça. Qu'on a mes frites là bien sec, qu'on a la moelle montée, yon assiette. Moi mettez frites de lame véritable là en plein fond. Va faire un trop gros assiette. Avec des belles frites, hein? Ça c'est vraiment une portion. Moi je fais un petit assiette carré ça parce que ici, on sait des petits assiettes carrés aluminium au vent qui fait ça, ok? Moi mettre une sauce haïtienne moins faire, moi déposer là-dedans. Voilà. Et puis maintenant, lui-même, moi mettre fromage râpé, seulement fromage râpé. Parce que c'est avec viande liée. Mais déposer fromage râpé sur lui. Na menti ça me dit nous consacrer, moi pour le mettre là-dedans qui ont l'autre ingrédient nouveau a, qui pour le faire vraiment une touche la cagne. C'est un mangue. Là moi je nous mangue dans supermarché ici, c'est pas tellement bon, mais ou même qu'a fait dans pays nous, surtout monde qui ca jeune mangue français, qui ca jeune mangue conne. Avec mangue français et mangue conne, ça va être hallucinant. Qu'on a la metti graine de mettez petit cube de mangue sous lui. Et voilà. Ça c'est nouveau nom moi voulais introduire dans gastronomie créole nous. Ça c'est un plat de Jean-Dominique, OK? C'est beau et bon aussi, OK? Na c'est nous-mêmes chaque grand haïtien qui voulait honorer une série de monde dans pays nous qui pour partager recette ça avec monde pareil nous, mais surtout pratiquer, essayer de faire au moins une fois. Gardez pour est-ce qu'elle bon vrai, si vraiment les bon, eh bien ou même qu'on n'aura pas des monde, ou pas des amis, ou dire yo mettre faire les bon, et comme ça ça prend pays et puis non recette ça yo. Jean-Dominique et puis Félix Lamy, besoin de nous ça rentrer dans la gastronomie haïtienne. Comme moi dis nous, si toute femme dès qu'on écrit chanson, moi t'as pris stylo moi t'as pris crayon, yon musique pour Jean-Dominique. Si toute femme t'es riche, moi t'as ouvert un stade ou bien une bibliothèque dans la ville côté monde ça a été fait là. Moi t'as honoré. Mais moi-même, c'est avec magie de la cuisine, avec mes droits qui me capable honorer qu'on a moi-même honoré comme ça, qu'on a arrêté à eux même comme haïtien, haïtienne qui suivent moi, qui regardent moi, qui pour faire ça vraiment pour une ampleur. Il pas coûter un peu de l'argent, il sait pas faire et le capable de commercialiser aussi. C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison, qui traite la caille. Merci, au revoir.